Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile, ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la session naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, ça va bien. En plus là, j'ai sniffé, sniffé notre super pump et euh, <laughs> là, je, je suis trop stimulé. <laughs> ah, c'est la crise de la quarantaine, ça y est. <laughs> ouais, ben bah, je fais cette blague-là. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, il y a une, une poudre qui s'appelle Sniffy, qui a fait un peu de, de buzz, comme on dit, un peu de polémique sur les, les réseaux et les médias, euh, les médias sociaux, tout ça. Dernièrement, ben bah, en gros, donc c'est une poudre qui euh, se sniffe, un peu comme euh, de la cocaïne, si j'ai bien compris. Et quand on regarde la composition bah c'était essentiel il y a c'est un mélange d'arginine de caféine de créatine de citrulline et de taurine. et en gros bon j'exagère un peu mais c'est un peu comme un booster qu'on prendrait en musculation enfin en tout cas on trouve des ingrédients un petit peu classiques d'un booster sauf qu'à la place de le mélanger dans le shaker eux ils ont dit qu'il fallait le sniffer quoi et euh, bah ça a fait un, un buzz donc ils étaient déjà, euh, comment, en rupture de stock quand on essayait d'en acheter sur leur site. T'as essayé d'en acheter, Fabrice si... Non, j'ai pas essayé. Je suis allé voir leur site pour voir un peu comment ça tenait la route. Et effectivement, on me disait qu'ils pouvaient plus commander parce qu'on était en rupture de stock. Alors, euh, on verra si c'est euh, interdit ou... ou quoi, ce truc-là. Je me suis dit que vraiment, on osait tout, quoi. Mais euh, voilà. Donc, ça revient un peu à, c'est comme si vous signifiez le super pump. Mais j'avoue, moi, ça m'est pas venu à l'idée. <laughs> Mais <bon. rire> Voilà, Rudy, t'en avais entendu parler de ce truc-là Non, non moi, moi je suis vraiment de, bon. de plus en plus déconnecté euh, des, des réseaux sociaux, à part euh, LinkedIn. Non, mais moi aussi, mais des fois, euh, voilà. Non, non, mais euh, ouais, j'ai rien vu de tout ça. Mais bon, après, je ne sais pas si on peut sniffer n'importe quoi, parce que finalement, on pourrait dire euh, sniffer le collagène qu'on qu vend, sniffer euh, la créatine. Euh, moi, je n'y connais pas grand-chose dans ces euh, différentes euh, techniques d'assimilation. Tu vois quand tu... nous on dit mettez dans un verre d'eau mais c'est comme tu pourrais prendre directement dans le pif quoi Fabrice faut que tu testes pour nous pour savoir Ouais ouais je, je sais pas ou euh, peut-être qu'on pourrait décliner aussi le super pump en suppositoire peut-être que ça ferait <laughs> kiffer aussi les hein, gens <laughs> tu, <vois> <laughs> tu peux essayer différentes techniques marketing <laughs> c'est ce que je te dis Ah là ça cartonnerait c'est okay. sûr le super viril en suppositoire là je crois qu'on a un truc <laughs> <laughs> on dirait que ça, ça pénètre mieux comme ça, tu vois, c'est <laughs> plus efficace. Euh, <laughs> alors, autre sujet, alors je fais dans l'ordre, c'est un peu compliqué. Non, 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 non Fabrice, Fabrice, tu vas déjà nous donner des news de ton entraînement. La Il la, la, y, y a deux semaines, tu avais dit que tu avais repris le TRX, donc la musculation un peu du haut du corps, parce que le, sur le bas du corps, tu étais crevé avec euh, tout le rameur, euh, le ski tout ça. Donc, où en es-tu de ton entraînement Ouais non, mais je fais toujours le le TRX et le, et le ballon, mais bon, il y a vraiment rien à commenter là, c'est un en gonflé ou pas. En forme, Rudy, là. Bon, là ça stagne forcément, mais euh, mais voilà, non, là j'ai rien à dire d'intéressant, me lance pas là-dessus, j'ai rien à dire. Si j'avais oh quelque là chose. Là. Euh... <laughs> Juste, j'ai fait un 1000 mètres au skierg et je suis à 2 minutes 01 au 500 m, mais tout le monde s'en fiche. Mais j'étais pas ce que ça vaut, euh, ça, jamais ça. vraiment fait donc je sais oh, bien bah ouais. ou pas. Je sais pas trop. En fait, j'avais vu sur Internet que euh, grosso modo, l'équivalent de 7 minutes 30 au rameur, c'est un 8 minutes au skiergue à peu près. Mais 8 minutes au skiergue, je ne suis pas encore. Hein. Euh, donc, euh, sur 2000 mètres, je parle. C'est bon. bah, le, voilà. le, le manque de bras, Fabrice. <laughs> si plus de bras, je serais plus rapide. Je joue, je joue. Voilà, puis en plus là, il commence à refaire beau. Alors ça se trouve ça va être le temps d'aller retourner faire de la natation dans le lac. Donc bref, et du paddle Est-ce que tu vas faire je... du paddle Ah, mais j'ai testé, j'ai refait du paddle il y a pas longtemps mais j'ai bien du mal à accrocher à ce truc là. Ouais, je m'ennuie en fait sur le paddle, figure-toi. Tu pas, pas à accélérer, à le faire glisser Pas oh, si un peu, mais je m'ennuie quand même, quoi. <laughs> il se passe pas grand-chose. Alors L'autre sujet, Rudy, ah oui, c'est un j'avais noté les courbatures qu'on aime bien et les courbatures qu'on déteste. Et euh, bah, c'est vrai que pendant longtemps, quand je fais de la muscu, j'avais plutôt des courbatures qu'on aime bien, c'est-à-dire euh, des courbatures au quadriceps, éventuellement, moi ça j'en ai pas trop eu euh, à part aux insertions, mais les courbatures au pec, ça encore, ça va. Et les courbatures au biceps, euh, on est content. Et même les courbatures aux abdos, on est content. Grosso modo, j'ai remarqué que les courbatures sur la face antérieure du corps, <laughs> globalement, on aime bien. Bah forcément, et... Parce que tu as les courbatures, donc tu as une réaction, entre guillemets, inflammatoire. Et donc, tu es un peu gonflé, donc tu es content en plus. Tu as, as mal euh, et ouais, tu es ouais, gonflé. Ouais. <laughs> ouais, puis je sais pas, c'est pas une douleur qui est très gênante dans la vie de tous les jours. En tout cas, par rapport aux activités classiques qu'on fait, euh, voilà, de sédentaire, derrière l'ordi, etc. Mais alors par contre, c'est les courbatures que j'ai appelées les courbatures qu'on déteste. En fait, c'est les courbatures euh, aux ischio, aux mollets et voire au lombaires et aux fessiers, aux fessiers, fessiers adducteurs, ça c'est affreux ça. Ouais, fessiers adducteurs. Et ça c'est vraiment des courbatures qui euh, on n'aime pas, ça sert à rien. Et puis en fait, on les sent même dans la vie de tous les jours parce que quand tu as des courbatures aux ischio, aux mollets, bah, il suffit que tu marches et puis bah tu les sens, c'est pas très agréable tout ça. Et euh, et c'est vrai que j'ai souvent des courbatures dans les zones que j'ai pas envie d'avoir. Ah euh, bon ces non, dans quoi c'est un peu chiant. Mais je sais pas. Peut-être c'est le skierg euh, qui me file des courbatures un peu aux ischio ou aux mollets. Parce que mine de rien, euh, tu répètes euh, plus d'un millier de fois dans une séance. Tu sais quoi, tu fais 40 minutes de skierg, par exemple. Bah c'est un peu comme si tu faisais euh, euh, un bon millier de euh, soulevés de terre, euh, jambes tendues à vide. Tu vois ce que je veux dire? Bien Parce sûr, que, que tu te penches, tu te redesses, tu te penches, tu te redesses. Puis à chaque fois, tu as un petit mouvement de mollet aussi. Et euh, bah, ça fait euh, du coup beaucoup, beaucoup de rep et je sais pas. Ça me génère des courbatures sur le côté gauche, assez désagréable. Et c'est vrai qu'au temps de la muscu, bah, j'avais pas de courbatures au disque, j'ai des courbatures au quad, et ça, c'était bien. Et j'aimais bien. Mais ouais, les courbatures aux ischio, on n'aime pas. Et j'ai même fait une recherche sur le forum superfic Et il euh, y avait quelqu'un aussi qui se plaignait des courbatures aux ischio. Puis il disait, ouais, ça m'énerve, j'en ai à chaque fois après ma séance de cuisse. Euh, mais j'en voudrais pas, c'est chiant, ce truc-là, etc. <laughs> et ouais, et je le comprends. Je vous pas... dirai en commentaire si vous avez des courbatures à la face postérieure du corps et comment vous, vous les trouvez. <laughs> et voilà. Non, non, mais ça... ça... On avait déjà expliqué plusieurs fois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, euh, au bout de 15-20 ans d'entraînement, au, au début, quand t'es gamin, t'es content d'avoir des courbatures, tu te dis ah, « j'ai l'impression d'avoir bien travaillé euh, », même si c'est pas forcément un reflet, mais t'es content d'avoir des courbatures. Tu te dis psychologiquement ben voilà, « j'ai fait un truc euh, », mais plus les années passent, plus t'en as marre d'avoir du mal à t'asseoir sur les chiottes, quoi. T'en as, as marre Non mais c'est vrai, la vérité, c'est que moi, quand je faisais du, du squat, ou du squat lourd, en ce moment, j'ai repris le squat goblet, Fabrice. Et euh, ah. Et, et, et donc euh bah, j'ai pas de combatture vu que c'est léger mais euh, avais, je, quand je finissais le squat dans les deux jours qui arrivaient, j'avais les ischio, j'avais euh, les adducteurs, les fessiers, pour t'asseoir, c'était l'enfer quoi, c'était l'enfer, tu t'assois, puis quand tu es assis dessus, tu as mal aussi et donc euh, tu sentais qu'en plus ça, ça te raidit dans le sens où euh, bah, ton bassin est moins mobile, donc après ça peut si tu tires pas régulièrement, et ben bah, ça te euh, paralyse un peu les hanches, donc le dos prend un peu plus. Donc c'est vrai que euh, c'est pas très fun ces, ces courbatures. Je dirais il y a des courbatures parce que hum, on pourrait dire euh, j'ai fait plusieurs articles sur le sujet, il y en a sur le site aussi hein, Mais tu as des courbatures qu'on va dire qui sont plutôt bonnes, tu vois, c'est des courbatures qui vont pas limiter ton amplitude. Donc euh, souvent bah, les ischios, les mollets, euh, les lombaires, les adducteurs tout ça, c'est souvent des mauvaises courbatures. Euh, c'est des courbatures qui vont limiter ton ton par contre, des fois, tu as des bonnes courbatures, mais elles sont beaucoup plus rares. Et je pense que c'est celle que tu avais au quad, Fabrice. C'est celle où, euh, ben en fait, tu n'as pas dans l'amplitude, Tu as mal dans le muscle, mais tu as pas mal proche des insertions. Mm -hmm. euh, et, et ça, elles sont plutôt cool parce qu'effectivement, euh, mais par contre, tu vois, tu parlais des pecs. Moi, quand je faisais les pecs à fond, eh ben, j'avais des courbatures d'insertion. J'avais moins d'amplitude au niveau des épaules en termes de flexion, d'extension, euh, d'écarté, même de, de rotation. Parce qu'en fait, ça me, ça me raidissait tout. Quoi. Donc, c'est vrai que. Euh, pas, avec les années, moi j'essaie de me tenir le plus loin possible des courbatures, même si j'en ai toujours euh, malheureusement. Euh, dès que je fais un truc vraiment au chose, je fais pas mal le dos, pas mal les épaules, donc euh, j'ai pas mal de courbatures là-dessus, même les abdos, comme je fais pas mal d'exercices de gainage un peu difficiles comme le Dragonfly, et eh ben euh, ça file des courbatures euh, qui, sont, qui, qui te rédisent Tu es obligé de faire plein de petits trucs pour conserver ta souplesse, sinon progressivement bah, tu perds en Mobilité et, et ce que je vois grandement euh, dans les coaching pré que je peux faire à Annecy quand les gens viennent pour se faire analyser au, au complet, euh, bah c'est quand tu t'étires pas au bout d'un moment la, la muscu euh, quand tu la fais pas en plus sur les bonnes amplitudes pour toi et bah euh, avec toutes ces mauvaises courbatures, ça te fait perdre en souplesse et tu es un vrai bout de bois quoi. Donc euh, <laughs> attention aux courbatures, euh, ouais, ouais. Et alors le pire c'est quand tu as des courbatures qui sont dissymétriques, c'est à dire ah, que as putain, plus sur un côté que l'autre ça dégoûté. là, tu es dégoûté. Là, ouais, là, moi, ça me faisait ça aux cuisses, parce que je pousse plus avec la droite qu'avec la gauche. Et donc, euh, tu sais, le lendemain, des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir presque, presque, j'exagère, mais presque pas de courbature à gauche et beaucoup plus à droite. Et là, tu es dégoûté, tu te dis putain, merde, ça va pas. Et puis, à l'inverse, plus dans le quad à gauche, plus dans le quad à droite et plus dans la fesse à gauche. Et là, tu te dis, oh, putain, je pousse même pas pareil les deux jambes, je suis dégoûté. Ah euh, euh, je comprends je comprends et ça c'est vrai que c'est un avantage euh, quand on fait beaucoup de fentes et ben on a enfin moi je trouvais que j'avais plutôt tendance à avoir des courbatures euh, symétriques on va dire alors que là en faisant le skier Gail Rammer où euh, je travaille donc du coup les deux membres en même temps et ben c'est exactement comme tu dis il y a toujours un côté où je sais pas ce qui se passe on pousse où on tire plus on a beau se concentrer pour euh, essayer d'équilibrer mais il y a toujours un qui est courbaturé un petit peu plus que l'autre et c'est un peu pénible ben oui, mais parce que le recrutement musculaire, en fait, euh, à chaque fois, on, on peut voir encore des gus qui parlent d'analyse EMG euh, de manière générale. Mais en fait, le recrutement musculaire varie euh, déjà de jour en jour, plus ou moins dans le muscle en lui-même, mais également entre les deux côtés. Il suffit que tu sois dans un bon jour où tu as fait plus fait, je sais pas, tu as ramassé des herbes plus à droite qu'à gauche, euh, tu fais ton jardin. Et puis forcément, tu es plus fatigué d'un côté. Et donc, si ton quad est trop crevé, tu vas utiliser ta fesse plus ta fesse que ton quad. Et de l'autre côté, ben, ça va aller. Et donc, et, donc, et donc, ça fout la merde. En tout cas, ça fout la merde. Après, c'est pas grave, mais d'un point de vue euh, psychologique, euh, ça nous fait chier. <laughs> ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Du point de vue psychologique, on est dégoûté. Ok, alors je passe du coq à l'âne. J'ai fait mon rendez-vous chez le dentiste annuel. Ah, incroyable! Eh ouais, incroyable! Et donc, en fait, j'y passe très peu de temps chez le dentiste euh, chaque année, parce qu'en fait, j'ai très peu de trucs à faire, à part un tout petit détartrage qui va à toute vitesse. Et donc, du coup, je suis euh, connu comme le loup blanc là-bas pour celui euh, pour lequel le rendez-vous est très, très rapide. Et euh, euh, donc, je, je titillais un peu la dentiste et je lui dis bah, « Ben dis donc, si tout le monde était comme moi, euh, vous gagnerez pas bien votre vie. » Et là, donc, elle m'a regardé avec des yeux un petit peu euh, tristouille on va dire, et un petit soupir. Puis elle m'a dit « Oh oui, mais vous savez, des gens comme vous, il y en a peu. Eh »« Et ben oui, des il y en a pas, c'est sûr. » J'ai compris qu'en fait, la plupart des gens qu'elle voyait, bah, ils avaient des dents toutes pourries. Ils ne devaient pas beaucoup se laver les dents. Et puis, euh, bah, ils ont beaucoup plus qu'un petit peu de tartre à enlever euh, à chaque fois. Bien Et sûr. du coup, je me suis. Ouais? Non, non, j'allais dire, la plupart je des gens mangent des dit... saloperies, mangent euh, du sucre à crever, euh, se lavent pour les crocs. Euh, donc, forcément, euh, ils ont les dents toutes pourries. Hein euh, ouais, ouais Et en fait, on dit souvent mieux vaut prévenir que guérir, mais finalement, je me dis mais y a... combien il y a de gens qui appliquent cette maxime mieux vaut prévenir que guérir et dans les différents aspects de leur vie. Parce que quand tu regardes le beat des gens sur la plage, manifestement, c'est pas mieux vaut prévenir que guérir euh, au niveau de la diète. Et semble-t-il, bah, pour les dents, c'est pas mieux vaut prévenir que guérir non plus. Mais bon, c'était pour la petite anecdote. Et donc, donc bah, j'en Vas-y, j'allais rebondir sur. À un moment, tu te lavais les dents au savon de Marseille Est-ce que c'est toujours Ouais, c'est ça. J'allais. Mais en fait, je suis toujours en train de me laver les dents au savon de Marseille. Donc là, on en est à plusieurs années que je fais ça. Je sais plus. C'était quelqu'un qui m'avait donné l'idée en podcast d'ailleurs. Et du coup, j'ai continué. Et de toute façon, ça change rien parce que le dentifrice, ça sert à rien en fait. Tu sais, on nous a vendu des publicités où on nous disait oui, le dentifrice recommandé par les neuf dentistes sur 10 ou recommandé par tel ou tel dentiste ou machin. Mais le dentifrice, en fait, ça sert quasiment à rien. C'est le brossage qui, qui fait. Et donc, euh, tant que tu mets quelque chose dans tes dents qui te qui t'encourage à te brosser, voilà, les dents, qui fait que tu es content, etc., puis que tu tu le fais régulièrement, ben, ça va il se trouve que moi le savon de Marseille ça me va ça me fait une haleine de savon de Marseille je suis content machin oui, je vais être content, et, euh, que... et voilà <laughs> c'est la c'est la régularité en fait qui fait donc si tu as un dentifrice qui te plaît puis qui fait que tu es content de te brosser les dents à la limite euh, voilà c'est c'est un peu positif mais le dentifrice en tant que tel, ça sert pas à grand chose il y a juste histoire de fluor où c'est pas très clair euh... Euh, Ou des fois on te dit que le fluor c'est utile, euh, des fois euh, on te dit que finalement c'est peut-être pas utile. Ça, j'ai pas d'avis là-dessus, mais effectivement avec le savon de Marseille, il n'y a, a pas de fluor dedans, donc du coup j'ai pas de fluor quand je me brosse les dents. Et puis voilà. Mais j'ai probablement pas non plus de nanoparticules et toutes les autres saloperies qu'on peut lire euh, dans la liste des ingrédients des dentifrices. Si vous vous amusez à la lire, euh, ça fait peur. Et pour ceux qui se souviennent, euh, le dioxyde de titane. Ils ont fini par l'interdire euh, en France, je crois, en 2020, mais dans les denrées alimentaires et euh, dans les dentifrices et tout ça, je crois que c'est encore autorisé. Alors vérifiez dans votre dentifrice, par exemple, si vous n'avez pas du dioxyde de titane dedans pour le rendre euh, plus... Alors je ne sais plus si c'est plus blanc ou, ou plus noir. Bon, je ne me souviens plus à quoi ça servait. Tu te souviens, ça colorait comment le dioxyde non, de titane Rudy Non, je ne saurais pas te dire. Bon. Bah, vérifiez dans votre dentifrice si vous en avez ou pas parce qu'il est possible que vous en ayez et euh, on sait que c'est possiblement cancérigène ce truc-là et on n'en veut pas enfin, comme des tas d'autres trucs d'ailleurs qui sont possiblement cancérigènes <laughs> voilà Rudy et bon, toi bah... alors, pour ma gouverne est-ce que tu vas chez le dentiste euh, chaque année bah non non franchement j'y vais pratiquement jamais euh... eh, ça m'étonne pas euh, bah, ça en, en fait j'y vais pratiquement jamais et donc j'y été bah, cette année Attends, on est en 2024 donc j'ai dû aller fin 2023 et ça faisait des années que je pas été et le gars me dit, euh, je dis, bah voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Euh, il me dit, ah bon, euh, ok. Euh, je lui dis, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier Il me dit, bah non, tout va bien. Il m'a fait un petit détartrage, ça bon, bah, dure voilà. pas trois minutes. Et voilà. Je dis, bon. Bon, bah, tant mieux. Mais ouais, c'est marrant, avec bah, toute la propagande quand qu'on a, qu a eu quand on était gosse, Ou à l'époque, on nous disait, fallait aller chez le dentiste deux fois par an. Si tu te souviens. Bien sûr. Du coup, bah, les dentistes, ils avaient leur petite rentouille, hein, parce que deux fois par an, ça faisait beaucoup de rendez-vous, euh, machin. Et maintenant qu'il est devenu aussi difficile de trouver un dentiste que d'avoir un médecin généraliste, euh, maintenant la recommandation, c'est plutôt une fois par an, parce que de toute façon deux fois par an, c'est impossible. Et euh, une fois par an, déjà, c'est compliqué. Ah <laughs> bah quand gens... rendez-vous, je sais pas toi, mais moi, il y a un, un, un mois, un mois et demi de délai, quoi. En fait. Ouais, c'est six semaines. Ouais. Voilà, six voilà, c'est euh, ça. Et bon, en fait, c'est simple. Je ne mange pas d'aliments sucrés, je ne mange pas de saloperies, je me brosse les dents, je n'ai pas l'impression d'avoir de soucis particuliers. Je dis, bon, voilà, euh, le gars, je le vois, il me dit, bon, bah tout va bien. Je dis, ouais, bon, bah, ok. Bon, bah, tant mieux. Voilà, vous n'avez vous avez, vous avez pas de caries, et tout ça. Bah, je dis, ouais, c'est bah, m'étonnerait que j'ai des caries, vu ce que je mange. Euh... <rire> <rire> je dis, ça, ce ne serait vraiment pas de bol. Mais bon, comme la vie, il y a une grosse part de chance, c'est la même. Mais... Non, non. Euh... Allez, chaque, chaque année, je me dis, il ah, faut que j'y pense, il faut que j'y pense. En fait, tant que tu pas de soucis, c'est comme d'habitude, bah, tu fais pas trop attention, quoi. Ouais, tu fais pas la règle, mieux vaut prévenir que guérir. En effet. Alors, après, qu'est-ce que j'avais dans ma petite liste euh, Bon, un truc sur la restauration rapide qui euh, ne cesse de progresser en France, mais bon, ce n'est pas très intéressant. On va sauter. Ah, j'ai un truc un peu plus rigolo sur euh, se mesurer. Ah, alors, eh ouais. Donc, quand j'étais gamin, il y a des fois, je me mesurais chez le. Enfin, quand j'étais adolescent, etc. Des fois, je me mesurais chez le, le, le docteur ou dans je ne sais quel contexte, et des fois, ça faisait un mètre quatre puis des fois, ça faisait un mètre quatre-vingt Bon, c'est pas bien clair si c'était parce que le mètre était pas bien euh, indiqué ou quoi. Mais du coup, euh, bah, je me suis dit, maintenant que j'ai 44 quatre ans, euh, bah, je vais me remesurer. Pour voir, bah, je sais pas si je me suis tassé. Si bon, t'as grandi, euh, si voilà. t'as grandi, peut-être grandi, t as peut-être grandi oh, à voilà. 44 ans. Combien je faisais finalement Est-ce que je fais, est-ce que du coup, comme j'étais jamais sûr si je faisais un 80 ou un 80, je disais que je faisais un 80 et demi, tu vois. Et euh, du coup, je me disais, bon, combien je fais Voilà, petite surprise, tu sais. Et donc, donc je me colle contre le mur, je dis à ma femme, mets un gros dictionnaire sur ma tête, euh, que tu colles au. Non, trop que tu filmes tout, 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 toutes ces, ces péripéties quand même. Un vieux dictionnaire Larousse qui datait de Mathusalem, qui ne sert maintenant que pour euh, bah, justement prendre ce joues parce qu'on jours. <laughs> on l'ouvre pas souvent. Bref, et donc on, on mesure, et ça faisait 1m80. Donc euh, voilà, j'étais content. 1m80. <laughs> et, euh... <laughs> et après, je me suis dit, bon, on va faire la même mesure, mais au sol, pour voir si ça change quelque chose. Donc euh, je colle mes pieds euh, contre un mur voilà mes talons hop je m'allonge sur le sol et tout ça euh, même technique on pose le dictionnaire on mesure paf et là 1m82 ça c'est oh, bah, un un... sûr 1 m deux et ça pas possible donc je remesure sur euh, le mur mais c'est aussi je prends un autre mur au cas où je sais pas il y a un truc qui soit penché et tout ça et là 1 m 81 à nouveau et donc j'ai refait un test allongé et ça refaisait à nouveau 1m82 et demi. Je me dis mais c'est pas possible ce truc. Alors du coup, eh ben je, je teste avec ma femme. Et donc elle, elle faisait 1m70 et demi sur le mur et un euh, 1m72 allongé par terre. Ah putain mais il faut qu'on vive allongé alors. <laughs> et donc eh ben, quel, est, quel est ce phénomène Alors du, du coup, j'en ai déduit que quand on est allongé par terre, probablement on est moins cambré au, au niveau du dos et puis le, la tête est peut-être un petit peu plus allongée. Et je pense que c'est comme ça qu'on gagne les un, un centimètre et demi en fait. Tu vois, on a on a les fesses qui sont positionnées un petit peu différemment de contre le mur et en gros c'est c'est un peu comme si on était dans une espèce de position d'étirement de la colonne vertébrale. C'est comme ça que je l'ai interprété. Mais euh, voilà, sinon c'était marrant. Il y avait à chaque fois un centimètre et demi de différence environ entre être par terre. Et être debout, tu vois. Ouais, mais euh... c'est drôle parce que bah, je sais que tu ne suis pas trop les, les, les sports ou y a tout ça, mais il y a eu une petite polémique là récemment sur un basketteur, euh, un jeune basketteur. Que, tu sais, ils sont souvent recrutés sur leurs statistiques, sur euh, uh -huh. à quelle hauteur ils sautent, combien ils mesurent, quelle est leur envergure, tout ça. Et il y a eu une polémique sur je ne sais plus quel joueur, hein, je ne les connais pas tous. Et euh, le mec, en fait, euh, s'était mesuré avec ses godasses pour dire qu'il euh, était grand, tu vois. Et donc, ça pourrait être la nouvelle technique des basketteurs de se mesurer allongé, finalement, si ça allonge. Tu sais, il dit, tu sais, attendez, je fais deux mètres, et puis tu le mesures, il n'y a plus qu'un 95, il dit, non, 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 attendez, il faut me mesurer allongé, moi maintenant, hein, c'est allongé que je, je prends la mesure. Hein. <laughs> Ça fait penser à la mesure euh, de, notre, euh, de notre outil euh, qui nous sépare euh, du genre féminin, et il euh, y a plusieurs façons de mesurer. Tu peux mesurer... Euh, ah la... <laughs> eh bah ben ouais, il y a deux côtés pour mesurer, en fait. Et il faut mesurer au côté qui est le plus petit hein, pour ceux qui euh, ont testé quand ils étaient adolescents. <laughs> c'est la mesure la plus petite et pas la mesure la plus grande, en fait. <laughs> ah, merci Fabrice voilà, hein, pour tes conseils. Je pense que beaucoup de carottinières qui nous écoutent vont tester cette mesure euh, tout seuls chez eux. Ils en sont encore à savoir comment ça mesure. <laughs> euh, oui, ouais, mais mais cela dit, c'est peut-être un bon indicateur, en fait. Si avec le temps, euh, cette mesure-là diminue, euh, ce n'est peut-être pas bon. Ça veut dire que le, notre, comment dire, notre réseau, sans, notre réseau sanguin notre, euh, je sais pas, la capillarité du, du membre de ce cinquième membre est en régression tu vois qui a, <laughs> qui a... Ah bah, Fabrice, faut que tu fasses des <laughs> mesures alors savoir si tout va bien <laughs> ouais mais celle là ça m'est pas venu à l'idée là j'y pense en podcast mais celle là euh, j'y pensais pas mais bref mais c'était enfin c'était rigolo parce que du coup à un moment donné tu parlais de beaucoup de data puis finalement un truc aussi bête que ça se mesurer, et eh ben, tu vois, tu fais la mesure couché ou tu fais la mesure debout, déjà t'as pas la même chose. Et comme la fréquence cardiaque, tu la mesures assis, tu la mesures couché ou tu la mesures debout euh, au repos, euh, ben, t'as pas la même mesure. Donc euh, bon, c'est bien toutes ces mesures, mais au final, il y a beaucoup ah, au de mesure... au final, tu, tu alors, mesures. Quoi, qu tu niveau... mesure combien alors, Fabrice Va, bah, je sais pas. <laughs> si ah tu vois, debout, bah non, on pas, bah, temps bah, temps. Fabrice, on va faire comme pour ta vie, pour prendre la mesure la plus petite. Donc tu fais un m quatre voilà. Ouais, ouais voilà ouais. voilà ouais. Ah, quel, quel Américain ce type il voulait dire un quoi c'est un Américain 1,81. <laughs> voilà euh, qu'est-ce que j'avais noté comme autre truc ah eh oui la dernière fois on avait parlé de la de la dopamine et du euh, des rencontres on avait dit que bah avant euh, voilà tu rencontrais les gens au travail ou à la bibliothèque par exemple pour ceux qui allaient à la bibliothèque et puis que maintenant il y avait eu les applis tout ça et que ces applis avaient entraîné une espèce d'addiction au fait de rencontrer euh, pas de flirter avec de plus en plus de filles ou de plus en plus de mecs et c'est comme ça que j'ai déjà entendu des podcasts des filles qui ont 25 ans puis qui ont déjà euh, flirté euh, avec une centaine de mecs quoi 25 ans alors que moi à 25 ans j'avais besoin d'une main pour compter le nombre de filles avec qui j'avais flirté et ouais, donc, et puis, une, autre une, une, une main dans ton slip quoi en plus hein <laughs> pas invisible pas mal Comment celle là tu on oh, commence même ça. Bref, et alors, j'ai entendu parler d'une nouvelle expression, là, pour la fameuse ah. génération Z. Ça s'appelle le dating fatigue. Et donc, c'est les ces jeunes qui finissent par être lassés des applications de rencontres, qu'on conscience que ça devient addictif, et qu'en fait, ils décident de supprimer l'application de rencontre et de s'en remettre au hasard de la vie, comme dans les années 90. Ah ouais, mais là, c'est mal barré le hasard de la vie, parce que là... Euh... Maintenant, dès que tu abordes quelqu'un, comme euh, les gens sont plus habitués à communiquer, euh, tout le monde euh, sursaute, quoi. Donc, euh... <laughs> ça, ça me, ça me <laughs> paraît compliqué, quand même. J'en parlais. À, à, je crois que j'en parlais à la salle. Je sais plus avec qui j'en parlais de ça. Et euh, il disait, euh, oui, j'en parlais avec euh, Alexia. Je pense pas qu'elle nous écoute. Une fille qui, qui, qui est à la salle au super de gym. Et euh, elle me disait, ouais, mais aujourd'hui, c'est hyper difficile. Euh, si tu vois, elle avait parlé avec ses copines justement un peu de tout ça. Elle dit, si un gars vient l'aborder en lui disant, bah voilà, euh, j'aimerais bien boire un verre avec vous, je vous trouve jolie, nanana. Et eh ben en fait euh, la plupart du temps ça fait un peu euh, pas harcèlement mais tu vois euh, limite quoi tu vois tu peux même plus euh... toutes ces copines étaient d'accord pour dire bah non ça se fait pas euh, tu peux pas faire ça comme ça euh, ça fait un peu euh, gros chien tout ça tu dis oh là là tu dis, putain c'est devient compliqué quand même hein. donc euh, ouais bah non je sais pas parce que là ce que tu appelles ça s'appelle la drague de rue mais déjà la drague de rue euh, c'était pas pratique par tout le monde parce qu'il faut pas être timide pour faire ça euh, c'est pas la même chose que quand tu euh, par les circonstances de ton travail tu te retrouves avec une collègue à la machine tu n'as qu'à faire au boulot où, tu, tu dis, au... ou finalement. avec ou sans sucre. <laughs> tu vois, à ton club de sport ou je sais pas quoi. Puis il y a quelqu'un qui fait du, du rameur juste à côté de toi, par exemple, tu vois, ou des trucs comme ça. C'est vrai que euh, dans la rue, la drague de rue, maintenant, euh, déjà, il fallait être bon il y a longtemps pour que ça marche. Mais effectivement, là, ça pourrait passer euh, pour euh, euh, voilà, de l'ennui euh, de ces jeunes femmes. Ceux qui draguent les jeunes femmes. En tout cas, ce si <laughs> sont plus sur les applications, je prédis, euh, et on pourra en rediscuter dans quelques années, euh, un nombre grandissant de jeunes hommes qui euh, vont avoir du mal à rencontrer des jeunes femmes. Euh, peut-être. Bon, en même temps, tu sais, là, on n'a pas la proportion hein, de ceux qui sont plus sur l'appli C'est peut-être pas tant que ça. Ok, et j'ai fini ma liste, figure-toi. Tu as, t as un truc sur, euh, sur Ergzone et Skierg. C'était quoi cette histoire Ah oui, mais ça va pas intéresser euh, grand monde, ça. Mais voilà, ceux qui ont un rameur concept 2 ou euh, un skierg concept 2, c'est vrai qu'il y a plusieurs applications pour euh, jouer. Enfin, on peut utiliser l'ordinateur de bord, et il y a aussi diverses applications euh, possibles. Et il y en a une qui est assez connue qui s'appelle Ergzone, et que au début j'avais installée, mais que je trouvais qu'elle ne me plaisait pas trop. Puis finalement, bah, comme tout le monde, euh, j'ai fini par euh, l'utiliser. Et en gros, on peut acheter des... Des programmes d'entraînement dessus, où on peut euh, saisir son entraînement dessus. Et après, on connecte l'application au, au, au rameur ou au SKIAG. Et puis, du coup, quand on va s'entraîner, l'application nous dit, grosso modo, euh, ce qu'il faut faire. Voilà, on a une petite ligne qui nous dit, euh, bah voilà, par exemple, là, c'est pendant 5 minutes, tu dois euh, ramer, je sais pas moi, à cadence 30 et puis à vitesse 2 euh, minutes et les trois minutes suivantes bah tu rameras euh, à, vi à vitesse euh, 1 minute 55 et à cadence 32. Enfin bref, il y a tout qui s'affiche euh, sur l'écran, c'est relié avec euh, le concept 2 et c'est plutôt pas mal en fait euh, ce, ce truc là. Parce ah. que du coup, tu peux faire des entraînements de type pyramidal qui est un classique ou euh, bah, pour faire un parallèle avec la muscu, bah voilà, en muscu tu aurais fait euh, je sais pas moi 20 reps à 60, 15 reps à 65, 12 reps à 70, puis après tu vas dans l'autre sens par exemple, et ben tu as le même type de pyramide euh, au rameur, où tu vas faire, euh, je sais pas moi, 5 minutes à cadence 20, 4 minutes à cadence 22, 3 minutes à cadence 24, puis après tu reviens à 4 minutes à cadence 20, 5 minutes à... etc. Enfin bref, vous avez l'idée, c'est exactement comme en muscu. Mais comme il faut aussi retenir à quelle vitesse on doit travailler, et eh ben des fois ça fait beaucoup de chiffres à retenir d'un coup, surtout quand on est euh, en plein effort. Et l'appli en fait, elle permet de savoir ce qu'on doit faire en fait. Et donc c'est plutôt bien foutu. Donc ceux qui n'ont pas cette appli, puis qui sont passionnés de rameur ou de SkiErg, eh ben installer là, c'est gratuit pour un usage lambda. Ça s'appelle Ergzone et c'est eh, bien eh, mieux que l'application Ergdata euh, fournie par Concept2. Ouais. Est-ce que tu serais pas justement en train d'être contaminé par le smartphone, Fabrice Ouais, modérément hein, modérément. est-ce que tu est oui, est as besoin d'une application pour te dire bon bah là 5 minutes tranquille puis là j'accélère et est-ce que c'est pas euh, ben, on, ben, au début. Non non mais effectivement comme j'aime pas les applis euh, je je faisais pas trop avec l'appli et tu notes sur un crayon ce que tu dois faire et quand tu dois faire euh, 10 minutes à la même cadence puis à la même vitesse effectivement tu pas besoin d'appli. Mais quand des fois le ce qui est proposé par le programme c'est un petit peu Compliqué, eh ben, c'est vrai que tu es content qu'il y ait quelque chose qui te le dise. Quoi. Donc, bon. Bref, voilà. Installez ErgZone si jamais vous êtes passionné de rameur et de skiag. C'est ce que j'avais noté. Bon, bah, J'imagine que ça, tout. ça oui, concerne tu... beaucoup de nos auditeurs, de toute façon. <rire> <rire> Je ne sais pas, peut-être. Tu sais, au moment où tu t'étais mis à faire du rameur, il euh, y en avait plusieurs qu'on avait achetés. Alors, qui sait, euh, peut-être que depuis que j'ai parlé aussi du rameur et du ski il y en a peut-être qui se sont mis à l'utiliser euh, à la salle. Hein <laughs> tu ne sais pas. Mais... Et, et, et en parlant de ça, alors, à l'époque, pour ceux qui sont là depuis longtemps, tu avais acheté un rameur euh, en bois, là, un rameur à eau, voilà, pour ta euh, ouais. femme. Ouais. Parce que c'était ouais. allait en faire, tout ça. Elle n'avait pas. Euh, on n'a pas fait longtemps de mémoire. Est-ce que là, elle a mmh. testé ton rameur, Fabrice? Eh ben, c'est rigolo ce que tu dis, parce que je lui ai fait tester la dernière fois, euh, pour voir elle, si elle avait un bon geste. Et eh ben, figure-toi que contre toute attente, elle avait un super geste, et en fait, elle est tout à fait douée pour le rameur. Bah oui, elle a que, des, ben, des longs bras, des longues jambes. Euh, c'est voilà. ça. Bah, elle a des très longues jambes, et puis, euh, bah, je sais pas, il a eu le bon geste tout de suite. D'ailleurs, euh, meilleur que moi, son geste, avec une très grande amplitude, tout ça, euh, un truc. Nickel. Et elle a dit qu'elle avait déjà fait de, un petit peu d'aviron ou de rameur quand elle était adolescente et qu'on lui avait dit qu'elle avait un bon geste. Et comme de fait, intuitivement, elle a un bon geste, mais même meilleur que le mien. Voilà. Donc euh, ben, la génétique, la génétique euh... fait tout. Fabrice, toi, t'as fait des mois et des mois que tu t'entraînes pour <laughs> le bon geste et elle se pose, les pieds sur le truc, elle tire, <laughs> c'est nickel. Et en plus, elle va plus vite que Ça moi. Euh, c'est impossible. La... Elle va pas plus vite que moi, mais euh, elle est elle est pas loin. effectivement. On... Non, pas loin, pas jusque-là, mais effectivement, son, son chrono était, euh, était bon, spécialement par rapport à ceux que j'avais vus euh, quand j'étais au fitness park. Donc ouais, qu'est-ce que tu veux Il y en a qui ont le geste d'un coup, puis il y en a qui ne l'ont pas d'un coup. Mais voilà, mais comme de toute façon, elle va pas en faire parce qu'elle préfère aller danser, elle en fera pas, et puis voilà. Voilà comment tout un potentiel est gâché, mon cher Rudy. Bah, heureusement, tu, tu restes le maître du rameur de la maison, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bon, c est, c est bon tu, tu, restes, tu restes mal alpha. Alors, ok, alors de quoi tu veux parler J'avais ah, bah voilà, pris, pris deux questions, je ne sais pas si on a le temps de les faire, mais on va commencer par la première. Euh, c'est une question de. Je rappelle que. Quand, dans la plupart des podcasts, on répond aux, aux questions qui ont été posées sur les forums sur www Superphysique, sur www.superphysique.org. Euh, et souvent avec Fabrice, qui a beaucoup d'actualités, une vie trépidante, incroyable, ben on n'a pas trop le temps de faire les questions. Donc on les fait souvent avec Clément et John. mais là, j'avais deux questions que j'avais quand même sélectionnées au cas où. Donc la première, c'est de Eli4444. Donc on va l'appeler Eli, ce sera plus simple. Salut à tous. Je me pose une question concernant les blessures et leur impact sur notre performance à long terme. Par exemple, lorsque l'on subit une blessure importante, comme une rupture de ligament ou une fracture, et qu'après la rééducation, on récupère une partie de nos capacités physiques, à quel point cela affecte-t-il nos performances futures Est-ce que certains d'entre vous ont constaté une différence notable dans leur progression ou leur force après avoir repris l'entraînement J'ai lu que certains types de blessures peuvent entraîner des déficits fonctionnels permanents, même après une rééducation complète. Quelles sont vos expériences à ce sujet Est-ce que la nature de la blessure et la qualité de la rééducation jouent un rôle crucial dans la récupération totale de nos capacités physiques Fabrice parce que si on se blesse, on est cuit ou on est un phénix. Ouais, ouais, là, évidemment, la question est beaucoup trop générique parce que ça dépend euh, du quel, de quel type de blessure que as, sur quelle articulation, euh, comment ça a été traité et tout ça. Mais euh, et puis en plus, c'est ce que je mettais euh, en réponse, c'est que normalement, si t'es pas trop con, une fois que t'as eu une grosse blessure, et eh ben déjà, tu en as tellement galéré que de toute façon tu vas changer ton entraînement pour euh, et donc ton entraînement va être un petit peu différent d'avant. En gros, si tu t'es blessé le dos euh, en faisant du soulevé de terre et que tu n'es pas euh, Eddie Hall euh, qui a besoin de faire du soulevé de terre pour gagner sa vie, a priori, euh, si tu recommences à faire du soulevé de terre après avoir eu une grosse blessure au dos, puis tu es un pur amateur qui fait ça pour plaisir chez toi, euh, à mon avis, dans ta tête, ça va pas bien. Il hein, y a quelque chose à changer. Mais bon. Et euh, mais sinon, pour répondre à la question, alors moi j'ai pas tellement d'expérience, mais en, en lisant à droite à gauche, en regardant euh, le MMA et tout ça, ce que j'ai compris, c'est que déjà il y avait quand même eu une sacrée progression au niveau de la gestion des blessures, parce que par exemple, une rupture du ligament croisé euh, antérieur, donc euh, un truc hyper classique au niveau du genou quand on fait du foot ou euh, ben, quand on fait du MMA, et ben ou peut-être du basket d'ailleurs ce que j'ai compris c'est que dans les années 90 une blessure comme ça ça pouvait même arrêter ta carrière professionnelle de joueur tu confirmeras ou t'infirmeras Rudy si tu connais ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. alors que maintenant ouais, alors que maintenant ils sont euh, tellement bons dans le je sais pas là, au niveau de l'opération et au niveau de la rééducation que en huit mois après la blessure en MMA les types ils reviennent à faire de la compète donc ils ont déjà ils ont eu le temps de, de récupérer être rééduqués et retrouver leur top niveau en en huit mois. Donc là, c'est extraordinaire et puis ça, ça fait même rêver. Après, la question, c'est est-ce euh, qu comment dire En apparence, ils ont l'air au top niveau. Est-ce que eux, ils se sentent qu'ils ont quelques petits trucs qui marchent plus c'est possible quand même que ce soit pas parfait parce qu'on entend toujours en MMA, des fois des types qui ont été blessés du ligament croisé antérieur, ils reviennent, ils ont l'air d'être au top niveau, mais apparemment, ils font par exemple moins de coups de pied avec cette jambe-là. Alors est-ce que c'est pour se préserver ou quoi Mais des fois, il y a un petit changement dans la manière dont ils combattent par rapport à avant. Donc euh, donc c'est pas tout à fait pareil parfois. Ça, c'est le premier truc. Et puis là, si on prend le cas de Conor McGregor, il y a eu une polémique parce que donc il a eu une grosse blessure euh, vers, proche de la cheville euh, il y a quelques années apparemment il a bien récupéré mais euh, son visage a été euh, complètement modifié après la, sa blessure et donc la théorie ce serait qu'il aurait pris de l'hormone de croissance pour faciliter sa récupération euh, post-blessure et que du coup bah en même temps ça aurait fait euh quoi, moi, pousser les os de son visage, un petit peu comme Schwarzenegger à l'époque, pas bien clair d'où vient son sa, sa mâchoire très marquée, qui a l'air encore plus marquée que quand il était ado, est-ce qu'il aurait pas pris de l'hormone de croissance quand, dans les années 70 enfin, Bref, donc du coup, on sait pas non plus les, les produits qui prennent, et nous, si on se blessait, voilà on n'aurait peut-être pas accès à l'hormone de croissance pendant notre récupération. Donc bon, est-ce que tu as un commentaire déjà par rapport à ce que je viens de dire, Rudy mais Non, mais bien sûr, entre la blessure de l'amateur, donc de nous autres, qui n'avons pas de staff qui sont mal entourés qui sont mal entouré. qui pas d'ailleurs tu parlais du dentiste tu avais six semaines d'attente. le médecin bah je sais pas si c'est un médecin généraliste que je sais plus comment on appelle ça un médecin référent. si pas oui. C'est ça qu'on médecin traitant voilà, tu as pas de médecin traitant même si tu en as un, tu pas un rendez-vous tout de suite quoi. Donc imagine tu te blesses, c'est une grosse blessure comme ça, tu dis bah voilà, il faut faire des examens tout ça. En fait, bon, bien sûr, quand tu as une grosse blessure, faut attendre un petit peu que le l'œdème dégonfle, que ça dégonfle pour pouvoir voir. Mais en fait, euh, quand tu es amateur, t'as pas accès aux mêmes ressources que quand tu es professionnel. Là, j'ai vu un triathlète qui a fait une chute. Et ben, en quelques jours, il avait euh, son, ses examens, il voyait le médecin. Euh, Tac, ils ont dit bah on fait ça, 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 ça. Toi, quand il t'arrive une merde, tu es chez toi, tu es comme un con. Euh, on, on se rappelle quand Fabrice a eu sa blessure au dos. Ben, en fait, si j'avais pas eu un peu de réseau tout ça, ben en fait, euh, c'était la merde, quoi. Franchement. Euh, c'était euh... il, pu... il aurait perdu son pied quoi il y a du monde d'un point de vue mouvement quoi donc non non il y a une grosse différence après bah oui forcément si t'es un athlète pro bah on va mettre et que tu gagnes beaucoup d'argent on va mettre tout ce qu'il faut pour que tu guérisses à un moment au foot par exemple tous ceux qui se blessaient allaient voir le... un médecin en Allemagne j'ai oublié son nom et ils étaient tous passés par là et à chaque fois ils disaient c'est bizarre ils vont voir ce type là ils guérissent rapidement il y avait même... on avait même vu Usain Bolt y aller à un moment quand il se blessait sans arrêt les ischio euh, bon, ça n'a pas fait de miracle, mais ça a permis de tenir quand même un peu plus longtemps. Mais euh, ouais, on n'a pas accès au, au même euh, protocole de soins. Euh, c'est sûr que quand, quand tu es, es une croûte comme nous, bah, tu as accès à pas grand-chose et tout est compliqué. Et donc, tu vois, c'est pas comme quand tu es Conor McGregor et qu'effectivement, tu peux avoir accès à plein, plein, plein de, de spécialistes. Et puis là-bas, en plus, les produits pour euh, se solidifier. mais bah, Là, c'est sûr que tu reviens euh, presque comme neuf, en tout cas d'un point de vue physique. Ouais, et alors j'ai un autre exemple, c'est quand je me suis cassé le coude quand j'étais adolescent. Donc euh, je m'étais cassé un os du coude, je crois que c'était c'était l'épitroclé, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et du coup, j'avais été plâtré et j'avais pas été plâtré avec le bras à 90 degrés euh, parce que ça me faisait mal et du coup, il m'avait plâtré avec le bras avec un angle légèrement ouvert et semble-t-il il fallait pas faire ça. Bref, et quand on m'a enlevé le plâtre il m'a fallu euh, vraiment très longtemps pour récupérer ma flexion euh, presque complète du coude. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais tendre le bras, ça, euh, pas, de, pas de problème. Mais en fait, pour euh, toucher mon épaule avec mon pouce en fléchissant le bras, ou si vous voulez pour faire un un curl, quoi, eh ben ça, au bout d'un an, l'amplitude de flexion de mon bras gauche qui avait été euh, plâtrée. Il est toujours pas récupéré en fait. C'était toujours pas euh, comme c'était euh, au début. Et euh, je sais même pas si au jour d'aujourd'hui, ça a récupéré parfaitement parce que j'ai une petite différence avec le bras droit. Et il n'est pas bien clair si cette différence elle a toujours été là ou si bah, du fait de cette euh, fracture et du problème que j'ai eu eh ben, j'ai une, une légère perte, en fait. Donc ça, je ne sais pas comment on est dissymétrique. Ce n'est pas bien clair si voilà, c'est d'origine ou si c'est lié à la fracture. Mais c'est comme s'il y avait peut-être eu une espèce de perte irrémédiable de, de mobilité, en fait. Vous voyez Et euh, je pense que du coup, si la, quand on se blesse quelque chose, si la rééducation, elle n'est pas bien faite, eh ben effectivement, je pense qu'au niveau de l'amplitude, on peut perdre de manière quasiment euh, définitive. Tu as un avis là-dessus, Udi Oui, ouais, là, là, bien sûr, bien sûr. En, en fait, on, on se rend compte euh, avec ton exemple que euh, quand on se blesse et qu'on a une blessure assez grave, donc là c'est une fracture. Euh, je pense notamment aussi à une fille qu'on a à la salle, Chloé, qui s'est fait les ligaments croisés en ski de fond. Donc tout le monde dira pas de bol, mais bon, <laughs> ça arrive. Et ben en fait, c'est pas dit que les interventions médicales euh, soient parfaites. Elle, a, a priori, ils lui ont remis le ligament. Quand ils lui ont refait le ligament, ils lui ont remis un peu trop court. Donc là, c'est une sportive, on va mettre quelque chose d'un peu plus costaud. Et en fait, elle n'a jamais pu reprendre vraiment la muscu avec des lourds pour le bas du corps parce que ça la lançait sans arrêt, quoi. Donc, c'est pas parce que vous vous blessez, euh, quand on a une blessure grave, c'est pas dit que vous reveniez. En fait, s souvent, on a l'exemple de sportifs pro on, a, on voit, comme d'habitude, euh, les exceptions. Ils reviennent, ils viennent connaissent ils sont en béton, ils ont ceci ce, cela. D'une part parce qu'on a dit précédemment, mais aussi parce que tout s'est bien passé. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup pour qui ça s'est pas bien passé. Je me souvenais d'un gars euh, en bodybuilding qui s'appelait Christian Attard qui était le président du club de Sevran euh, quand j'étais en région parisienne, qui était bodybuilder limite professionnel, hein, le mec. Euh, bon, il était bien dopé, mais euh, bon, bref, il était à fond de tout ça. Et en fait, il s'était euh, déchiré le supra épineux, donc euh, le sud épineux pour ceux qui sont de l'ancienne euh, école. Et en fait, il s'était fait opérer de l'épaule. Et euh, donc après, il lui a dit ouais, ça va remarcher, tout bien, tout ça. Et euh, je l'avais croisé dans un salon, je euh, n'avais pas eu depuis quelques temps. Et je dis alors comment ça va Il dit bah, je force pour lever le bras sur le côté, euh, j'arrive pas à dépasser les, je sais plus, 60 70 degrés. Et donc il forçait, il forçait, il forçait. Et puis je le revois un peu après. Je dis alors et tout, en est où Il dit bah, en fait j'ai revu le chirurgien. Ils m'ont euh, fait un ligament trop court. Je peux plus lever le bras euh, à 90 degrés. Et le, le gars était niqué euh, pour toute sa vie parce qu'il a dit ouais, est-ce que vous pouvez me réopérer tout ça Et les médecins dit, ben bah, non, euh, ça va très bien, euh, ça suffira largement. Et donc le mec bah, toute sa, sa carrière entre guillemets, sa passion était un peu foutue quoi. Et donc à l'époque je lui dis bah qu'est-ce que tu vas faire Donc il me dit bah je vais faire autre chose. et moi bon, euh, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu. S'il m'écoute avec plaisir d'avoir des nouvelles mais euh, donc ouais, ouais c'est quand tu te blesses euh, la, la, la prise en charge et des fois il suffit de rien il suffit que ils il refont un, un ligament ou un tendon un peu plus court de je sais pas à 2 mm et puis ça handicap pour toute ta vie quoi ouais, ouais. et ça me rappelle euh, une anecdote alors je sais pas si je l'avais ra raconté euh, c'était dans un livre que j'ai lu sur la rééducation et euh, donc en fait c'est le type comparait euh, deux problèmes à l'épaule où euh, les gens avaient été ou quelque chose comme ça. Et donc il y avait un danseur et une, une dame de tous les jours, je ne sais pas qu'on va dire une ménagère, je simplifie l'exemple, mais vous allez comprendre tout de suite. Et en fait, il y a une rééducation et le danseur, il récupère quasiment complètement, il peut lever le bras au-dessus de la terre et tout ça, mais il a un tout petit défaut d'amplitude, je sais pas, genre de 5 mm ou quelque chose comme ça. Et en fait, il est dégoûté parce qu'il dit, bah, ma vie est gâchée. Et pour le, celui qui fait la rééducation, là on va dire son kiné, il dit, mais attendez, vous vous rendez compte comme vous avez super bien récu récupéré, etc. Mais le danseur, il dit, ben bah non, parce que moi, quand je danse, il faut qu'absolument tout soit parfaitement symétrique. Et si je ne peux pas lever les bras exactement au même niveau euh, de manière symétrique, ça va pas, en fait, on va, me, on va me virer. Et donc, tu vois, en fait, lui, il avait besoin de récupérer absolument à 100%, pas à 99,999%. Ok. Et alors par contre, il y avait euh, une ménagère qui elle avait euh, pas récupéré complètement. Tu vois, elle pouvait presque, elle pouvait pas lever son bras complètement au-dessus de la tête. Et euh, bah, en fait, ça la gênait pas parce que du coup, ben bah, elle ouvrait son, son placard avec le bras droit et c'était pas gauche, pas grave si le bras gauche <laughs> il montait pas jusqu'en haut. Comme des fois, tu m'as déjà expliqué que euh, voilà, il y avait des personnes sédentaires, je crois peut-être même ta maman, ou des gens qui ont une blessure banale qui ne sont pas opérés puis qui ont une perte irrémédiable de mobilité, ouais, et puis s'en fout. foutent parce qu'au bah, final, voilà, dans la vie quotidienne, ils s'en servent pas. Et là, selon le sport que tu fais, un peu comme tu as raconté euh, avec ton prédécesseur, et eh ben la, le type de, euh, comment, la manière dont tu vas récupérer, effectivement, ça peut avoir un gros impact. Et effectivement, quand tu es danseur. Il faut que tu récupères 100% de ta mobilité, sinon euh, voilà, tu, tu peux pas compenser en fait un manque de mobilité parce que tout, doit, tout le geste doit être esthétique. Donc là, ta carrière est foutue. Mais peut-être qu'effectivement, il y a d'autres euh, sports. Euh, par exemple, imaginons que tu fasses du foot, tu te casses le petit doigt en tombant et après tu récupères pas entièrement la mobilité de ton petit doigt. Bon, bah, peut-être que c'est pas très grave quand tu fais du foot, sauf peut-être si es goal, je sais pas. Mais voilà, ça va dépendre aussi du sport. Mais en tout cas, euh, effectivement, quand on a une blessure. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est pas euh, ce qui ne me tue pas me euh, rend plus fort et puis euh, <laughs> après on est encore mieux. Hein. C'est plutôt euh, on est plutôt moins bien, <laughs> on a peur de se reblesser, et puis euh, ça peut péter ailleurs ou ça peut repéter au même endroit. Donc euh, ouais, non, je, je pense qu'il faut mieux éviter les blessures euh, parce que les, à mon avis, les exemples sont plutôt dans le mauvais sens. Que dans le bon sens, comme peut-être Connor ou d'autres. Et encore, encore une fois, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas vraiment euh, ce qu'il y a derrière. Là, j'ai vu un, un documentaire sur. Euh, enfin, un documentaire. J'ai vu une petite vidéo YouTube sur Ronnie Coleman. On a eu des petites nouvelles. Je sais pas, si tu ne vas pas trop sur YouTube, tu n'es peut-être pas tombé sur non, la vidéo. Ai de 2024. Ok. Donc, on voit Coleman qui. Euh, il a 60 ans au niveau du au, du corps bah il est encore bien euh, balèze tu vois il a des biceps énormes des veines et tout ça et on le voit il fait euh, je crois des, des, des élévations latérales des shrugs des trucs et tout ça mais il ne fait que des mouvements assis dans la vidéo et il a le à peu près le sourire il dit que tout va bien etc mais à aucun moment tu le vois debout tu vois donc euh, donc en gros il a repris la muscu euh, on va dire un petit peu sérieusement pour se faire plaisir mais euh, il est pas debout donc moi je sais pas trop s'il marche le Coleman et puis on sait pas non plus ça se trouve tous les compléments tous les trucs antidouleurs qu'il doit prendre toute la journée pour tenir aussi quoi on sait pas trop il y a eu son documentaire je crois ça s'appelait ouais je sais mais là c'est une espèce d'actualité ouais mais on voyait qu'il prenait plein de cachetons antidouleurs justement à un moment il était dans son canapé il disait bah je prends tout ça sinon je peux pas tenir quoi donc c'est ça. Et donc, le problème, c'est quand on voit même les athlètes de haut niveau qui éventuellement reviennent et on se dit c'est génial, et eh ben, on n'a pas l'envers du décor. Ça se trouve, ça fait comme Agassi dans sa biographie où il dit qu'il se fait des piqûres dans le dos avant ses matchs, quoi. Donc, euh, du coup, finalement, on sait pas vraiment, euh... voilà. Et il faut mieux éviter sûr. de se blesser. Voilà tout ce qu'on sait. Ouais, <laughs> ouais ben, on, on avait vu aussi l'année dernière Nadal, donc pas cette année, mais l'année dernière Roland Garros, qui, je crois que c'était l'année dernière, le hein, temps passe vite, je, je suis plus sûr, mais euh, qui tous les jours euh, se faisait des, des piqûres d'antidouleurs ou danti inflammatoires en fait, pour pouvoir tenir tout ça. Et ça avait fait un, un tollé aussi, parce que tu dit, mais attendez, euh, c'est interdit ça. Il ont dit, non, non, il y a une, une prescription médicale. <laughs> ouais. mais, non, mais ce qui est sûr, c'est que là, on parle des grosses blessures, style hernie discale, style fracture, style rupture de ligament. Dans la plupart des cas, tu vas pas revenir à 100%. Bien sûr. En apparence, tu peux revenir à 100% parce que tu évites certains gestes et voilà. Et la, la fille dont je parlais, bah si tu la vois, elle est à 100%, elle fait du vélo à fond, elle fait un peu de muscle du haut du corps, elle est en super forme. Mais elle n'a pas récupéré ce qui euh, l'importait à l'époque. Voilà, de faire du squat, euh, du squat avant tout ça, ou de faire des fentes, ça lui démonte le genou. Donc euh, ça c'est mort. Euh, ensuite, il y a ça, on parle d'un point de vue fonctionnel, mais aussi de tout ce qui est d'un point de vue psychologique, comme tu l'as dit, il y a une appréhension. Quand on se blesse, on a toujours l'appréhension, quelle que soit la blessure, que ça revienne, qu'il y ait une fragilité. C'est pas. Euh... Alors, bien sûr, si on s'entraîne, euh, on fait un peu de muscu, on peut adapter. Voilà, si on n'est pas dans la performance, on peut adapter ce qu'on fait et on ne va pas trop le sentir, ça ne va pas trop gêner. Moi, je le vois souvent dans les coachings premium, encore une fois, ce sont des personnes qui ont eu bah, les ligaments croisés, qui se sont cassés un truc, qui ont mal quand ils font ci. Euh... J'ai eu un gars en CQP, Jean, je ne sais pas s'il m'écoute, qui a euh, les, les rotules hyper laxes, mais vraiment beaucoup, 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 et qu en fait, il peut faire aucun mouvement de quadriceps. Sinon, ça, ça le démonte. Vraiment, c'est un truc un peu génétique qu'il a. Et, euh, et donc là, bah, forcément, il adapte, il fait autre chose. Mais si vous voulez performer c'est mort. Euh, ensuite, il y a toutes les petites blessures. Euh, on va appeler ça, mais petites tendinopathies et autres dérivés qui, euh, en théorie, bah, ne laissent pas de séquelles euh, d'un point de vue fonctionnel. Si on fait bien tout ce qu'il faut. Donc maintenant, c'est assez documenté euh, de l'isométrie, euh, de l'excentrique, euh, le mouvement lent. Et puis après, on remet de la vitesse. Mais il n'empêche que... Très peu de personnes ont le temps, euh, je crois que c'est Thomas, mon pote Thomas de Training Therapy qui en parlait il, il y a pas longtemps. Très peu de personnes vont prendre le temps de bien se rééduquer, de bien se remettre. Euh, nous, notre génération, début des années 2000, tu avais un peu mal au tendon, bon, tu tirais pas trop dessus pendant quelques temps et puis ça se réparait, du moins on, on pensait. Euh, en fait, c'est n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais bref, euh, aujourd'hui, si tu veux revenir à 100%, il faut euh, accorder du temps tous les jours à ta guérison. Et on ne parle pas de deux ou trois minutes. On parle de euh, 20, 30, 40 minutes parfois par jour pour accélérer ta guérison et tout renforcer pour que ça tienne, pour que ton corps soit plus résilient et résiste à la douleur. Donc, Même quand tu te fais une tendinopathie, en fait, elle n'est pas arrivée par hasard. C'est rarement qu'une cause de surcharge, parce que tu en as trop fait ou tu as mis trop lourd d'un coup, c'est que tu as des déséquilibres sous-jacents qu'il va falloir régler et qui vont prendre aussi du temps. Donc on en revient toujours à ce qu'on préconise avec physique, c'est d'éviter... Les mouvements à risque, euh, du moins de forcer dessus. Ça n'a pas, pas trop de sens. Euh, de s'entraîner en série, euh, d'éviter en tout cas les séries trop courtes, d'un point de vue euh, musculation classique, d'un point de vue euh, prise de muscle, tout ça. Parce que plus il y a lourd, plus ça met en exergue justement les déséquilibres qu'on a et plus ça va provoquer de douleur, plus ça va user rapidement. Et puis de prendre son temps pour s'entraîner, de ne pas chercher à monter trop vite, d'être assez progressif. Euh, et ainsi, bah, on réduit aussi drastiquement son risque de blessure. Et enfin, j'ai un quatrième truc, c'est si un exercice provoque une douleur, vous n'êtes pas obligé de faire un exercice. Vous pouvez l'adapter en termes d'amplitude, vous pouvez modifier son angle, vous pouvez euh, faire des choix parce que, on, on le voit bien, et j'arrête pas de le répéter, le corps n'est pas fait pour la musculation. Il n'est pas fait pour soulever des poids sans arrêt, des poids lourds, même si vous pensez que ce n'est pas très lourd, 60, 80 kilos, 100 kilos, c'est déjà des charges lourdes pour le corps humain. Il, on n'est pas fait pour ça. Euh, et, et donc, en ce sens, ben, le but, c'est euh, de se blesser le moins possible et de ne pas hésiter. Eh ben parfois, euh, à mettre moins lourd, euh, à plus s'appliquer, euh, tout en cherchant à progresser, évidemment, mais avoir vraiment une vision long-termiste plutôt que court-termiste pour ne pas euh, se blesser. Parce que quelle que soit la blessure, finalement, de mon expérience, on revient jamais, jamais à 100%. Quoi, jamais. Alors, bien sûr, il y a les contre-exemples, les champions, contre tout le staff, comme je disais. Et puis à nous, tu as une blessure. Si euh, t'as pas du réseau, bah es un peu dans la merde quoi. T'es un peu dans la merde. Tu vas aller voir le médecin, il va dire oh, non mais c'est trop fois rien, prenez ça, ça va aller. Et encore, t'auras rendez-vous quelques semaines après. Euh, donc en fait, faut vraiment prendre le taureau par les cornes quand on est blessé. Mais c'est ce que je dis aussi souvent. C'est vous avez une blessure, faut devenir spécialiste de l'anatomie du coin. Vous avez une tendinopathie, comment fonctionne le tendon Donc il y a plein de gars qui font du bon contenu. Je pense à mon pote euh, Valentin Copin, euh, C O P I le... notamment il intervient pas mal sur LinkedIn. Il si y en a qui s'intéressent. Mais euh, il faut être actif et en fait euh, la plupart d'entre nous, euh, alors euh, avec Fabrice on a plus de chance, on s'est organisé depuis des années pour avoir du temps mais c'est quand même pas des choses qui sont très présentes à faire, la plupart d'entre vous n'auront pas le temps de faire ce qu'il faut pour euh, avoir un corps plus résilient de manière globale et faire euh, 20, 30, 40 minutes d'exercice. Pour euh, revenir à 100%, ou du moins revenir à 90%. Et donc après, ils traînent une blessure pendant des années et des années. Je connais des gars, ils viennent au coaching premium, encore une fois. Des fois, ils ont des, des tendinopathies euh, sur plein d'articulations, plein de tendons différents. Et ça fait des années que ça dure, quoi. Ils disent, ah, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Je peux... Bon, en fait, euh, tu prends jamais le temps parce que tu n'as pas le temps et parce que finalement, tu as envie de faire d'autres choses. Donc, soyez euh, mieux vaut être trop prudent qu'insouciant. Euh, qu si je peux donner un conseil avec le recul, ça vous évitera. Euh de passer beaucoup de temps et en même temps si vous cherchez pas les charges les plus lourdes possibles comme Clément dont on a parlé la semaine dernière qui passe 45 minutes une heure par jour hein, tous les jours à faire plein d'exercices pour essayer de pas se blesser et, et voilà euh, et ben bah, soyez prudent dans vos choix d'exercices dans bah, vos choix d'amplitude je... et euh, voilà Valérie ouais je finis sur un dernier truc mais je l'avais déjà dit aussi dans un podcast je l'ai redit là parce qu'on a eu quelqu'un qui a... Aller voir son généraliste, il a posé des questions généralistes et puis le généraliste n'a pas forcément bien répondu de mon point de vue. Je voulais rappeler que si vous êtes passionné de sport, en fait, il faut que votre médecin euh, de référence ou traitant, là, peu importe qu'on l'appelle, il faut que ce soit un médecin du sport. Alors, il sera probablement euh, loin de chez vous parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, voilà, quand on est passionné de sport, souvent les problèmes qu'on a. Ils vont être liés un petit peu à la pratique du sport. Et donc, quand vous allez voir le médecin du sport, lui il voit des sportifs toute la journée. Si vous lui dites, euh, je sais pas moi, j'ai euh, cette épaule là qui me fait mal dans telle ou telle position, lui il peut essayer de comprendre. Il va comprendre que ça vous embête parce que vous êtes sportif. Et puis, euh, il va peut-être pouvoir faire les tests qui vont bien ou vous renvoyer vers la bonne personne parce qu'il est habitué à travailler avec des bons kinés du sport euh, et tout ça. Ben, bref, vous serez dans une logique sportive. Si vous allez voir un médecin généraliste, médecin général Liste, il voit grosso modo quasiment que des seniors et que des enfants. En fait, hein. les enfants qui sont malades parce qu'ils ont des rhumes et les seniors qui ont des tas de problèmes dans tous les sens. Et euh, vous voyez bien que l'amplitude de mouvement des seniors que le médecin voit toute la journée, euh, elle va être différente de la vôtre. Donc vous, quand vous êtes là-bas, vous dites ouais ben c'est un peu ce qui s'était passé avec mon pied là quand j'avais le problème. J'ai dit ouais ben regardez je peux pas bouger le pied comme l'autre etc. Mais comme lui, le type, il voit des seniors toute la journée. Ben, peut-être qu'il trouvait que la manière dont je pouvais bouger mon pied, euh, c'était pas si mal en fait. Tu vois que ça, <laughs> qu'il n'y ait pas besoin d'opération. Alors qu'en fait, un, un médecin du sport, il aurait vu tout de suite que ça n'allait pas quoi. Si euh, mon pied, il, il a 10% d'amplitude à droite euh, par rapport à l'autre qu'à 100%, il y a un truc qui va pas quoi. Mais bref. Et donc c'était pour dire que voilà, si vous êtes passionné de sport, débrouillez-vous pour trouver un médecin du sport parce que le généraliste, euh, comme je vous dis, il vous allez le voir, vous dites j'ai un peu mal au genou, je sais pas quoi, il vous fait bouger le genou, il vous faire quelques mouvements, puis je dis bah vous avez rien quoi, et parce que pour lui tant que ça fonctionne à peu près, ça va, parce qu'il a pas, il prend pas conscience de vous que dans votre passion ça vous gêne, et, et voilà donc c'était ce que je voulais rappeler. <laughs> non mais c'est aussi ce que ce que j'explique je, aux gens qui viennent en coaching premium quand je les teste sur plein de trucs tout ça, en fait je vous compare à tout ce que j'ai vu, je, je vois ce qui euh, me semble normal et c'est ce qui semble être la norme, et là c'est pas la norme, là je dis là il y a un problème, je dis là je vois, et donc après on fait plein de trucs, et je dis ouais, bah là effectivement il y a un problème. C'est vrai que notre référentiel influence ce qui est normal ou pas, et comme tu l'as dit, il bah, faut essayer comme d'habitude de s'entourer des personnes qui euh, ont de l'expérience et ont un référentiel hautement plus élitiste que la moyenne d'aujourd'hui, qui euh, si elle lève pas le bras au-dessus de 90 degrés, bah c'est pas très grave... Euh, c'est pas très grave, jusqu'au jour où on a besoin de ce bras-là et on se dit, ah merde, <laughs> je peux pas le lever. Et donc, c'est la merde des merdes, quoi. C'est foutu. Oui, voilà. Oui, tu peux pas lever le bras. Si tu peux pas lever le bras à 40 et que as une perte d'amplitude euh, liée à la vieillesse euh, au fur et à mesure, qu'est-ce que ça va être quand tu auras 90 C'est ça le problème. C'est ça aussi euh, qui me faisait un petit peu peur, moi, parce que euh, tu dis, si as une perte de mobilité à 30, en général, ça va pas nécessairement en s'améliorant. Donc, à 90, tu finis comment, quoi Puis alors, euh, encore à 100, <laughs> tu seras comment Donc, bref, c'est pour ça que je préfère adresser les problèmes entre guillemets de mobilité le plus tôt possible parce que j'ai cette peur-là que ça, ça empire. Avec ah bah, le... oui, bah, ça va parler du mieux dans mieux. <laughs> ça s'appelle le vieillissement. <laughs> c'est ça. <rire> ok. <rire> et bah, et bah, je, je vois que le temps est passé, on n'a plus le temps de faire la deuxième question. Euh, ra rapidement, euh, merci encore à tous ceux qui laissent euh, des commentaires. Euh, notamment après leur commande sur superphysique-nutrition.fr. Euh, on a des super notes grâce à vous. Euh, notamment, euh, je crois que c'est sur Google. Fabrice, tu me corrigeras si c'est pas ça. Mais on a, on a des super commentaires. Également, merci à ceux qui laissent des commentaires sur l'application SP Training. Pareil, on a des super retours de votre part, donc aussi bien sur le Play Store que sur l'App Store. Ça prend euh, moins de deux minutes euh, et encore, j'exagère, 30 secondes pour laisser un, un commentaire. L'application continue d'être améliorée grâce à euh, bah, en partie à vous, euh, au retour que vous faites sur les forums Super auxquels Pierre répond énormément, <laughs> un peu trop à mon goût. Mais bref, vous il répondra... des en hein, parce voilà. qu'il répond trop. Il, ré... il répond, il <laughs> répond de manière trop fréquente alors qu'il devrait répondre une ou deux fois par jour. Mais bref, euh... donc Pierre continue à bosser sur l'appli. Il y a plein de petites news qui arrivent, plein de petites mises à jour par rapport à vos retours. Donc voilà. Donc merci d'avance à ceux qui ont des commentaires aussi bien sur la boutique Super Physique que sur l'application SP Training. Et puis sur ce, et eh ben nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et de nouvelles réponses à vos questions. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums superphysiques, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement, et à la semaine prochaine